Alors Sonia, aujourd'hui j'aimerais que nous allions faire une exploration un petit peu particulière. Voilà, il y a un compte TikTok sur lequel je suis tombée par hasard et qui m'a intriguée. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas me dire si tu en as entendu parler ou pas, ce qui ne changera rien au déroulé de l'enquête, mais bon, juste par souci d'honnêteté, entre guillemets. Donc, il y a un compte TikTok. Je dis un compte parce qu'il n'y a pas une personne physique. Hein. Ce sont des messages. Ces messages disent que je suis quelqu'un, un voyageur du temps, un voyageur temporel, et qui vous parle depuis 2858. D'accord? Donc, je vais dire que c'est. Je ne vais pas dire que c'est une personne ou pas, je vais dire que c'est un compte. Et ce compte donne énormément de prédictions extrêmement précises, avec des dates extrêmement précises, enfin des dates, voilà, pour 2023, mais aussi j'en ai relevé beaucoup d'autres. On ne va pas toutes les voir maintenant, mais j'en ai relevé une quinzaine à peu près. C'est pas français, hein, c'est américain. Donc déjà, est-ce que tu as entendu parler de ce Pas du voyageur tout. temporel? Ah, bon. Okay, ben alors voilà, encore mieux, qui dit qu'il parle depuis 2858. Alors, je n'ai pas très bien saisi s'il parle depuis 2858, en tout cas, si, ou s'il vient de 2858 et qu'il est là, je pense qu'il nous parle depuis 2858. Hein. Voilà, donc, c'est juste des messages, en fait. Donc, je le dis pour ceux qui sont intéressés d'aller voir ce compte TikTok qui s'appelle Dark Time Traveler, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, la première prédiction, j'en parle pas parce que c'est. Je te dirai plus tard. Donc déjà, alors c'est pas le premier qui se prétend être un voyageur du temps, hein, mais il y a énormément de personnes qui le suivent. Voilà pourquoi sûrement c'est apparu dans mon fil d'actu. Par hasard, entre guillemets. Et c'est vrai que moi qui suis pas adepte de ce genre de truc, bah, il y a quelque chose d'attirant. Est-ce que c'est dû à la précision de ce qu'il dit ou la façon dont il le dit? Alors, soit il est très très fort et il sait très bien manipuler les réseaux et ça marche. Sauf que ben, à chaque prédiction, si elle ne se réalise pas, ben, il va perdre ses abonnés, hein, clairement. Est-ce que c'est voilà, une coup de manipulation one shot ou est-ce qu'il y a un fond de vérité? Est-ce que déjà, connecte-toi à l'énergie peut-être de ce compte ou de ce qu'il y a derrière, 2858, ce voyageur du temps. Qu'est-ce qui vient déjà depuis le temps que je te parle? Je vois des portes. Pardon? Je vois des portes. D'accord. Je vois comme une multitude de pièces qui sont à chaque fois séparées par des portes d'accès. Et là, je ressens comme une enfilade de pièces. Ça part très loin. C'est comme une galerie. Tu vois, comme une galerie souterraine où il y a des accès. Il y a des accès qui sont cachés à la vue de tous. Mais il y a des accès, il y a des passages. C'est ce que je vois pour le moment. Et ça m'emporte, effectivement. Je me sens comme aspirée par un autre espace. Laisse-toi aspirer, laisse-toi aspirer en toute confiance et en toute sécurité et je te retiens. Je te retiens avec le son de ma voix, avec notre fil énergétique qui nous relie. Okay, laisse-toi dans tes protections. Tu vois, ça me parle de connexion qui de réseau de connexion. Qui sont là, présents dans l'univers. Et ça m'était représenté comme des galeries, comme des tunnels, mais
des accès, des vortex, des passages. C'est presque comme un réseau routier. Et tout est en connexion. Donc des informations peuvent circuler dans ces connexions. Je veux dire en travers l'espace et le temps. Exactement. Parce que c'est ce que j'observe. C'est tout ce que j'observe, tu dis tout est possible. Il y a aucune limitation. Et j'ai cette ouais, l'image. Quand tu vois dans les magasins, aux caisses de supermarché, il y a un tuyau et ils reçoivent l'argent ou ils peuvent recevoir. Ils envoient l'argent, ouais, de la caisse. Ils envoient l'argent, oui, à la caisse et puis tu remets l'argent. Ça, il y a des connexions, il y a des galeries partout. Et ça circule. Alors là, je vois comme toujours dans ce système de tunnels, il y avait comme des bouchons qui ont sauté et qui laissent comme une porte. Tout à l'heure, j'ai vu des portes, comme une porte qui s'ouvre et qui ouvre un passage. Et j'ai cette sensation, comme dans le magasin, où on envoie une information dans ce tuyau, dans ce passage. Alors je ressens une énergie, mais bienveillante. J'ai pas de mal-être par rapport à si je suis cette information Oui. qui est envoyée dans ce tunnel, je ne ressens pas de malaise par rapport à ça. Oui. Je suis plus comme en observation neutre. Je vois, ça circule, ça passe d'un espace à l'autre. Et j'ai une sensation de vitesse. Ça va très vite. C'est réceptionné. C'est comme une information qui arrive sur Terre, qui est traitée, qui est comme décodée. Ah oui, donc comme une information qui pourrait être compréhensible à l'humain, à l'oreille humaine, elle doit être comme transcrite, retranscrite. Elle est. C'est un peu comme C'est comme tu reçois du morse, excuse-moi, tu reçois du morse et tu le mets en mots. oui, un peu comme quand tu canalises de l'information subtile, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mettre des mots au-dessus. C'est une énergie qui, oui, une énergie, mais qui doit être mise en mots pour être compréhensible de tous. Alors, dans le cas qui nous intéresse, de ce compte TikTok qui dit être un time traveler, un voyageur du temps, qui fait partir l'information depuis 2858 et qui l'envoie ici? Est-ce qu'elle vient bien depuis l'année 2858 déjà? Et qui l'a retranscrit à l'arrivée? Est-ce que c'est la seule et même personne, seule et même énergie? Parce que j'imagine que pour lui, si tant est qu'il existe, ça ne doit pas être compliqué de hacker TikTok pour pouvoir faire un compte et faire ce genre de messages. Eh bien, c'est curieux parce que
Tu vois, comme je ressens une énergie de cet autre espace-temps. Et comme si c'était la même partie, la même énergie qu'il a reçoit sur Terre. Oui. Et C'est-à-dire qui la transforme en mots. l'émetteur et le receveur est la même, est une seule et même énergie. D'accord, c'est ce que tu dis. Donc la personne qui donne l'information et qui reçoit l'information et qui la donne sur TikTok en 2000, qui reçoit l'information en 2858 et qui la donne sur TikTok en 2023, c'est la même. C'est ça, c'est. D'accord. C'est un postulat de départ. OK. Donc, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un humain, par exemple? Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un être de lumière, une énergie quelconque, un extraterrestre? De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Déjà, je ressens un homme. Et j'ai la sensation qu'il a comme des informations qui lui arrivent et je le vois là, je le vois couché, il dort et il se réveille et il allume, il attrape un carnet, il note. Il se rendort. Il a toujours comme un carnet tout près de lui, il note des informations. Il note beaucoup. Donc, ah oui, ça c'est une hypothèse que je n'avais pas pensé. Est-ce que ça pourrait être une personne incarnée comme toi et moi, ici et maintenant, et qui recevrait des guidances finalement, des flashs, des voyances, et il aurait reçu l'information qui venait du futur, que c'est pour ça qu'il avait toutes ces infos. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, mais il communique avec lui-même dans un autre espace-temps, Dans le futur. dans le futur, oui, ce qu'on appelle le futur. Il reçoit des informations, tu vois, ça a certainement son importance parce que je vois Léonard de Vinci comme si c'était un procédé un peu similaire. Comme une inspiration ça me dit qu'il a eu il y a quelque chose et un parallèle à faire entre deux. Le Il côté avant. recevait beaucoup d'informations, oui, d'une autre partie de lui-même dans le futur. Côté avant-gardiste, il a inventé des choses, Oui. les voyait dans le futur finalement. Intéressant, intéressant. Des images qu'il reçoit, je vois ici. C'est pas sous forme de. Ça peut être des phrases, des mots, mais ça peut être comme. Des images qu'il tâche de retranscrire avec des mots. Je vois des chiffres. Il reçoit comme un canal. Il reçoit des informations. Et je le vois plus jeune, si c'était pas nouveau, comme un ado, je vois un ado qui est D'accord. déjà qui ressent, qui entend, qui. Mais là, il note pas. Ça passe. Ah, quand il était plus jeune, il notait pas. Et maintenant, tu le vois qu'il a quel âge maintenant? Tu dirais qu'il a quel âge? Trentaine d'années. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas fait une chaîne YouTube ou même TikTok, où il dit, ben voilà, comme le font, comme on peut le faire nous, ou comme le font les médiums, ou enfin, voilà, ou les télépathes, ils vont dire, ben voilà, moi j'ai telle information, je suis connecté à ma guidance, etc., je suis connecté à la source. Pourquoi il n'a pas fait ça, une chaîne, ben, moi je suis connecté avec mon être du futur qui me dit ceci, cela. Qu'est-ce qui fait qu'il a choisi d'impacter comme ça, en étant anonyme? J'ai l'impression de qu'il veut pas se mettre en lumière parce que c'est comme
comme si ça allait le discrédibiliser. Crédibiliser ou Oui, discréditer. oui, oui, oui. Un seul mot avec Oui, je commence à me mélanger les pinceaux là dans les mots, mais tu vois l'idée, quoi. C'est de sa perception, ça a plus d'impact de cette manière-là, de transmettre l'information de cette manière-là. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire d'apparence aussi, comme si de son point de vue, l'humain aurait tendance à passer par le filtre de l'apparence, d'émettre peut-être un jugement ou enfin déjà de. Il a raison. Ah oui, c'est vrai. Qu'on le veuille ou non. Voilà, Oui. tu vas regarder, tu vas dire ouais ben à sa tête on voit qu'il dit n'importe quoi ou C'est y a ça. quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si en passant par le visuel on allait rajouter des filtres. Et là c'est juste l'information Ben alors, qui. en plus, c'est exactement ça, Sonia. Ça dure, je sais pas, 15 secondes à chaque fois. Il y a juste l'information et ça repart, quoi. Il y a rien d'autre, quoi. Enfin, il y a un fond musical, une image, mais je veux dire, voilà, rien Oui. d'autre. Ok. Oui. Oh, c'est intéressant tout ça. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou est-ce qu'on peut passer aux prédictions et voir un peu ce que tu en On comprends? peut continuer. Donc, je vais t'annoncer sa première prédiction. Enfin, ce n'est pas la première, mais c'est la première que je vais t'annoncer. Voilà, toujours hein, sans rien forcer. Tu vas simplement voir ce que tu perçois, ce que tu peux, et les explications que tu peux nous en donner. Ce voyageur temporel nous dit que le 2 avril prochain, hein, donc là on est en 2023, hein, le 2 avril, un nouvel élément sera trouvé par les scientifiques et permettrait de remplacer l'oxygène, ce qui va avoir pour effet de pouvoir nous faire gagner 50 ans de vie en plus. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Quand tu la goûtes, qu'est-ce qui vient? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir une découverte à ce moment-là, mais c'est comme s'il y avait déjà eu des découvertes. Mais que il pouvait y avoir des langues qui se délient, où on commence à laisser passer des informations qui sont captées, qui attirent l'attention. Mais comme s'il y avait déjà des choses qui sont vues, observées, qui sont entre leurs mains. Mais là, c'est. Et là, ça montre dans un sens général, comme si maintenant, ça pouvait plus être caché. Ça doit être montré, ça doit être partagé dans un sens général. Toutes des choses qui ont été jusqu'à présent occultées, des découvertes, ou même j'entends du potentiel pour notre bien-être, tout ce qui peut nous servir à nous, l'être humain, ne peut plus être occulté. Et je vois des. À chaque fois comme. Petite pierre posée, quelque chose qui sort, une information. Et c'est capté. Mais c'est pas brutal. Parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler tellement incroyables que si on l'annonçait d'un bloc aux humains, ils prendraient ça encore pour quelque chose de farfelu et de n'importe quoi. De J'ai complot. cette notion
de dire des infos, mais par petites touches. Hmm. Pour s'habituer à... Ça me dit, copain, écouter une autre musique, un autre son. Que l'oreille s'habitue à entendre des choses qui peuvent paraître tellement farfelues, tellement folles, tellement inespérées, que d'un bloc, on n'y croirait pas. Mais par petites touches, on finit par s'y habituer. Ok, donc toi, tu ne vois pas forcément une grande découverte, mais quelque chose qui existe déjà et qui va Quelque plutôt être, chose qui existe déjà, oui. révélé. D'accord. Quand même, il y a une question qui me vient là quand je t'écoute. On travaille souvent, nous, sur les lignes de temps. D'accord? Et on voit que la ligne de temps, elle change suivant notre propre décision, tout ça. Mais si on se place sur la, je vais dire, la ligne d'arrivée, je vais estimer que 2858, c'est la ligne d'arrivée. En tout cas, l'individu, il observe depuis 2858. Donc, il regarde la ligne de temps. Tu vois, j'ai mon stylo là, j'imagine. La ligne de temps, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est la ligne de temps définitive, on peut le dire comme ça. Celle-là, elle est figée, elle ne peut plus bouger. Elle est réalisée depuis 2858. On est d'accord? Donc, ça veut dire que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il annonce, ça se serait produit dans le passé, si on se place depuis 2858, ça serait vraiment arrivé. On est d'accord jusque-là. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant de se dire que si il est vraiment observateur depuis 2858, ce qu'il voit, c'est vraiment arrivé. C'est comme nous, si on regarde derrière dans notre vie, sur la ligne de temps, ben, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Parce qu'on a fait tel choix et pas un autre. On est d'accord. On s'est marié avec Pierre et pas avec Paul parce qu'on a choisi Pierre. On a eu deux enfants et pas un parce qu'on en a voulu deux, etc. Ou, enfin bon, il y a des accidents de la vie aussi, mais il y a des choix qui ont défini notre parcours et qui ont figé la ligne de temps. Si je regarde derrière moi, ma ligne de temps, elle est figée, on est d'accord. Elle est réalisée. Si je regarde que d'un point de vue concret, hein, de mon incarnation, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Donc ça, c'est important de dire que ce qu'il annonce, si tant est que ce soit bien un observateur depuis 2858, ce qu'il annonce est vraiment arrivé. Et qu'on ne peut plus de toute façon le modifier aujourd'hui, puisque c'est arrivé. Oui ou non? C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a une autre multitude de lignes de temps, ou si je suis une autre ligne du temps avec cette même énergie, cette personne, j'ai envie de dire cette énergie, sur cette autre ligne de temps que j'observe, elle est incapable de communiquer avec son autre partie dans cet espace, sur cette terre. Il n'y a pas de communication. Ok. Donc celle que j'observe, c'est celle, oui, où la communication est possible. Mais ça me dit, il y en a d'autres qui sont, parce que tu disais, elle est réalisée, mais sur ces autres lignes de temps, c'est réalisé aussi. C'est ça qui est compliqué. En gros, alors ça reviendra à dire que ces prédictions, elles peuvent être fausses. Ça reviendra à dire que finalement, non, ça ne s'est pas réalisé comme ça. Ça sera... Oui, non, ça, c'est vraiment complexe parce que oui, il y a des jalons, oui, voilà, un événement là qui est potentiellement possible à telle date, etc. Mais il y a tout le paramètre de l'inconscient collectif qui joue aussi, qui selon oui son éveil, ses prises de conscience, ce fait que on emprunte à partir de ce moment peut-être encore une autre ligne de temps. Donc c'est ça qui est particulier. C'est que moi, je vois que ça part dans tous les sens, donc ça peut remodifier complètement des prédictions. Ou tel événement sera déplacé peut-être de quelques années. Il y a de toute façon rien de... Parce que cette information... Je vois ça autrement. Cette information que l'on va recevoir, imaginons ce mois d'avril,
quel impact ça va avoir sur l'humanité? Et selon l'impact que ça va avoir, ce que ça va provoquer dans les consciences, ben, la réaction va faire que la ligne de temps, elle est multiple. Moi, je vois ça comme tellement comme des câbles, mais ça part partout, dans tous les sens. Donc, ça me semble fragile de dire on a des événements, ce sera telle date, tel moment. Dans l'état actuel des choses, oui, au Oui, moment où cette information est perçue, oui. mais ça semble fragile de en amont. Là, nous, on est en amont, mais lui, c'est déjà réalisé pour lui. C'est ça Voilà, c'est ça, qui... c'est exactement ça. Pour lui, c'est réalisé. Donc, sur cette ligne de temps, les événements se sont produits telle date, et c'est l'information qu'il nous envoie. Mais elle peut changer. Mais ça peut changer à tout moment. Ça, c'est difficile à comprendre ça. Oui, Donc, oui. ça sert à rien. Notre enquête, là, elle sert à rien. Ça sert à rien que je te dise à telle date, il va se passer ça. Puisque, en fait, lui, il dit qu'à telle date, il va se passer ça. Mais en fait, si ça n'arrive pas, ça ne voudra pas dire qu'il n'existe pas. Ça voudra dire que la ligne de temps a changé. Ou ça peut vouloir dire ou l'un ou l'autre, ou les deux. Donc finalement, rien n'a d'intérêt. Si tout change tout le temps, on ne peut jamais s'accrocher à rien. Alors les voyants, ils ne servent à rien non plus. Ou est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes, des grands faits marquants qui restent dans les lignes de temps? C'est ça en fait, c'est il y a des points qui sont, comme je disais, des jalons qui donnent une ligne, mais la manière d'y arriver, elle peut prendre 10 minutes comme elle peut prendre 100 ans. C'est dans cet ordre-là qu'il y a des distorsions. Oui, mais lui, il l'a Et déjà vu. Tu vois, c'est excuse-moi, ça, oui. si on se retourne aujourd'hui, l'humanité, on sait que la première, on connaît on sait qu'il y a eu une première guerre mondiale, on connaît la date. Je prends les événements les plus marquants. Il y a eu une seconde guerre mondiale, on connaît la date. Dans 20 ans, peut-être je vais me retourner, il y aura eu une troisième guerre mondiale et je connaîtrai la date. Je la connaîtrai puisque c'est arrivé. Donc lui, il est dans 800 ans, même plus. Et donc, forcément, il voit ce qui est arrivé. Donc, comment ça peut changer, ça que je ne comprends pas. Demain, je ne vais pas me réveiller et on ne va pas me dire que les deux guerres, elles n'ont pas existé. Elles ont bien existé. Elles sont là, sur la ligne de temps. Tu comprends? Oui, mais c'est parce que c'est oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme je vois, c'est comme si ta conscience, toi maintenant, tu es comme implantée sur cette ligne de temps. Donc tu peux regarder derrière toi. Tu vois, mais tu peux avoir une autre partie de ta conscience qui est implantée sur une autre ligne de temps, mais qui ne verra pas ce que toi tu vois. Et qui pour elle, ce sera sa réalité, ce qui est derrière. Et Ouais, ça n'est pas la tienne. aujourd'hui, il y a un consensus quand même. On est à peu près tous d'accord dans l'humanité qu'il y a eu deux guerres mondiales. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui a une partie de sa conscience qui dit, OK, ben non, je ne suis pas au courant, moi, il n'y a jamais eu de guerre. Si, c'est possible. Non, de ce que je vois, ta présence ici et maintenant fait que tu es comme implanté sur cette ligne de temps où tu peux te retourner. Moi, je vois ça, tu regardes derrière toi, tu as vécu la même chose que ton voisin qui est là, ici et maintenant, présent. Mais c'est ça qui est pas évident. C'est une autre partie de ta conscience, de ton âme qui est multiple. Elle vit autre chose ailleurs. Et Ah donc, oui, sa mais réalité à elle n'est pas ta réalité d'accord, à toi, c'est... je suis d'accord. Oui, mais là, je ne te parle pas de ça. Là, parce que sinon, on ne va pas y arriver à faire cette enquête. Là, je te parle, c'est par exemple, si c'était moi qui étais en 2858, j'ai glissé sur ma ligne de temps, voilà, la même. Et je me retourne, et tout comme je sais qu'en 14-18, il y a eu une guerre, eh ben lui, il sait que tel jour, il va se passer ça.
Juste ça. On peut partir là-dessus ou pas? Oui, si je me fiche dessus, oui, je vois qu'il y a toute une série d'événements ben, que tu pourrais noter et dire c'est comme nous, comme toi. Tu vois la vie derrière, tu dis en telle année, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, tu le notes. Et tu peux, si tu avais la possibilité d'aller dans le passé, retourner au temps de la Renaissance et dire il va se passer ceci, cela, telle date, Voilà, qu'on a des points de repère. Donc oui, quand je regarde ça, je me fixe sur cette ligne de temps, effectivement. Donc de là où il se trouve, il t'envoie les informations sur tous des événements qui se sont passés sur cette ligne de temps. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est de voir toutes les autres où d'autres possibilités sont là. et oui, je comprends, mais là, c'est celle-là qui nous intéresse pour le coup. Donc oui, sur cette ligne de C'est temps, oui. la ligne de temps sur laquelle on semble évoluer qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on en revient toujours au même. À un moment, il faut faire entrer des mots dans des cases, sinon, on ne sert à rien, en fait. Ouais, Enfin, ouais, ouais. il faut bien des postulats de départ pour arriver quelque part, sinon, ce n'est pas possible. Papa. Et moi, j'aime bien, comme j'ai un côté très terre à terre, j'aime bien toujours ramener, j'aime bien comprendre en fait ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe. Donc, ok, on est d'accord, on part du postulat du départ, qu'on est sur cette ligne de temps sur laquelle on semble glisser et que l'observateur, celui qui dit venir de 1858, il nous donne des dates clés pour certains événements. Ok? OK. On ne dit pas que c'est la vérité, hein. On dit que c'est un postulat de départ. Il faut bien se baser sur quelque chose. Donc, prochain événement, et je pense que j'en avais pas relevé beaucoup, mais du coup, on a beaucoup digressé, mais tant mieux, hein. C'était hyper passionnant. On ne pourra peut-être pas tous les voir aujourd'hui, mais prochain événement, le 4 mai, donc on est toujours en 2023, hein. Découverte d'ossements humains sur la planète Mars. Qu'est-ce que tu peux en dire? J'ai entendu vrai. Ok. Alors regarde ce qui se passe. Comment on peut découvrir des ossements humains sur la planète Mars? Alors encore une fois, d'ailleurs, pardon Sonia, il y a une question qui me vient. Il y a ce qu'il a vu, ce qu'il voit lui, mais est-ce que ça veut dire que pour autant ça va être rendu public? Encore une question et encore une éventuelle ligne de temps qui va s'ouvrir. C'est ça aussi que je sentais, c'est que il peut y avoir des découvertes à certains moments, comme je sens qu'il y a déjà eu beaucoup de découvertes, mais qui ne sont pas partagées Bien sûr. par tous. Et oui. Alors, comment on peut découvrir des ossements sur Mars? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça me dit que Mars a été comme une colonie pour l'humain. J'ai le mot colonie. Je crois qu'il a parlé de ça. Est-ce qu'il en a parlé ou est-ce que c'est moi qui me suis fait ma déduction? Je ne me rappelle plus, il faudra que je vérifie. Donc l'humain a déjà habité sur Mars. C'est ça? Quand tu parles de colonie, ben oui, il y a Oui, colonie. coloniser, comme on colonise Ok. une région inhabitée. Ok. Oui, parce que si je regarde, je vois, y a quelque chose de militaire, tu vois. Ça me parle plus pas d'habitation comme ici, mais quelque chose de plutôt une énergie militaire. Tu sais, comme pour préparer un terrain, pour sonder, pour travailler sur des mines ou sur le minerai ou c'est comme une base, je dirais, d'expédition pour
sonder. Wow, ok. Dans quel but? Je nouveau coloniser. Ah oui, d'accord. Coloniser. Pour dans le but de voir si c'est habitable, quoi, enfin vivable pour l'humain, c'est ça? Ça l'a été, visiblement, à une époque, d'après ce que tu perçois. Oui, mais je dis ça l'a été, en même temps, c'est comme si je ressentais encore de l'énergie Ah, ça y est, là-bas. il y aura encore des semaines sur Mars. Alors, y aurait encore des humains sur Mars à l'heure où on parle. Est-ce que tu perçois cette énergie dans notre densité? Alors, c'est comme une... il y a quelque chose d'artificiel dans la densité. C'est comme plutôt réunir des conditions pour reformer comme une atmosphère où on, mais pas comme à l'état naturel, mais ce sont comme des, oui, plutôt des conditions qui sont recréées pour pouvoir. Mais je vois pas, je vois que des bâtiments, en fait. Tu vois des traces, finalement. Des Je preuves de quelque chose. vois comme des bâtiments, mais comme tu regardes ici, tu vois des usines, mais pas des habitations de vie, des bâtiments. Je sens juste ça. Bon, on va s'arrêter là pour cette question. Merci beaucoup, Sonia. Ça nous a donné un éclairage. Bon, il y a encore deux prédictions importantes, donc on va quand même les faire. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, puis on les fera à l'occasion peut-être d'une autre enquête. Donc, voilà, on peut peut-être répondre plus succinctement. Alors, déconnecte-toi de Mars. Hein. Le 26 août, toujours 2023, hein, donc le 26 août prochain, quatre mégalodons seront découverts dans la fosse des Mariannes. Les mégalodons, ce sont des gros mammifères préhistoriques, je crois, quelque chose comme ça. La fosse des Mariannes, c'est dans l'océan Pacifique, c'est l'endroit le plus profond de la planète, au large, à l'est des îles Mariannes. Donc, quatre mégalodons vivants hein, seraient découverts dans la fosse des Mariannes. Pour la petite histoire, et ça je trouve que c'est hyper intéressant, il faut savoir que 95% des océans restent inexplorés par l'homme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, 28 août, 4 mégalodons découverts dans la fosse des Mariannes. Et tu vois, je pense que c'est ça qui fait la puissance de ces prédictions, c'est que c'est tellement, tellement précis et tellement inattendu. Enfin, moi j'ai trouvé ça plutôt inattendu et je pense que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que tu en perçois, toi, Sonia? Ce que je perçois, oui, c'est que il y a comme des il y a beaucoup de mouvements sur Terre, mais je sens souvent les plaques tectoniques, enfin et je vois quelque chose qui est en mouvement et qui je vais dire c'est comme si sous l'océan il y avait encore une autre poche d'océan qui pour le moment était comme distinctes, séparées. Et par le fait qu'il y a des mouvements, on ouvre des espaces. Je vois comme deux eaux différentes qui se mélangent. Et comme si vraiment il n'y avait pas la même faux, enfin, pas la même Bonne. Et là, tout se mélange. Wow. Mais c'est bizarre, oui, de voir.
comme s'il y avait des océans en dessous des océans, d'autres poches d'eau. Qui n'ont pas les mêmes molécules, pas la même énergie, c'est ça? Pas la même. Voilà, pas la même, du coup, pas la même vie, pas la même, oui. Pas la même biologie, ça abrite La pas les même mêmes biologie. organismes, etc. Waouh! Du coup, quelque chose de plutôt d'extraterrestre? Si c'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Sans parler de petit homme vert, mais. Non, c'est comme non, je vois là, c'est comme de la vie terrestre, mais qui n'était pas visible jusqu'alors. Ah, parce qu'elle est au fond des océans, c'est Mais ça? oui, c'est vraiment ce que je vois. Ah, d'accord, la structure moléculaire serait différente dans l'eau qui est au fond des océans. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais et là, les eaux se mélangent, donc ça crée d'autres conditions. Ça, ouais, là, c'est peut-être plus loin, mais ça recrée des végétaux différents. Je vois ça au niveau des algues. En fait, ça fait comme des croisements qui donnent carrément une végétation marine différente. Une nouvelle espèce, des nouvelles Et espèces. de nouvelles espèces, oui. Wow. Wow. C'est beau. Mais oui, mais oui, je vois comme des formes qui remontent. Là, ça me montrait sous forme de bulles, mais qui remontent comme à la surface, à notre surface, de ce qui est visible de nos yeux. Et même des îles, comme des morceaux de terre qui remontent. J'avais déjà entendu parler de quelque chose comme ça. Oh, merci beaucoup Sonia pour cette visite des profondeurs océaniques. Donc on valide aussi les mégalodons. En tout cas, oui, ça résonne. Super. Magnifique. Magnifique. Merci Sonia. Des surprises, oui. Des surprises. Voilà, des surprises. De toute façon. Ça, on l'avait annoncé, hein, quand on n'a pas été les seuls en hein, 2023 qui auraient beaucoup de surprises. Maintenant, voilà, à voir comment ça va se passer. Alors, la suivante, c'est le 16 octobre, toujours 2023. Un groupe d'adolescents trouve des ruines anciennes et découvriront une pierre qui permettra des voyages interplanétaires instantanés. Alors, la première chose qui vient, c'est toujours en rapport avec ce mouvement des terres, des mers. Moi, je vois des choses qui, même, c'est la même chose que ce que je viens de voir avec l'eau, mais la terre, refait remonter aussi, j'entends des artefacts, Oui. des parcelles de monuments ou des choses qui peuvent paraître très étranges, même des matériaux inconnus qui sortent comme de terre. Oui, ça parle. Super, alors. Au final, c'est quoi le but? Parce que c'est même pas pour nous prévenir d'un danger, en tout cas pas dans celle que je viens de citer. C'est juste pour dire une information, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui a interpellé beaucoup de gens. Je veux dire, savoir qu'on va découvrir encore les mégalodons, c'est pas mal. Mais c'est pas pour nous avertir d'un danger ou c'est juste dire, ben voilà, ça va être comme ça, quoi. C'est quoi le but? C'est une façon d'ouvrir la conscience à des possibilités, à des événements. Oui, c'est comme tu dis, c'est juste pour informer d'un changement.
qui est en cours. Et mais surtout cette image de vérité qui ne peut plus être cachée. Comme s'il y avait même des endroits qui étaient gardés, cachés, des endroits géographiques. Mais là, ça ne pourra pas être maintenu parce que les gens, ils veulent savoir, ils veulent voir. Il y a comme un appel à une curiosité à aller voir au-delà de ce qui est permis, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, je termine par la première prédiction parce qu'elle est déjà passée. Et c'était le 28 février dernier, donc il y a 2 jours. Il avait prédit, enfin, il avait annoncé que tous les habitants de la planète feront le même rêve. Et ce rêve, c'est on aurait dû tous rêver d'une invasion extraterrestre. Donc moi, chez moi, bien sûr, j'en ai pas parlé. Puis comme on a l'habitude de se raconter nos rêves le matin, ben, personne n'avait rêvé de ça. Et je suis allée voir aussi dans les commentaires, pareil. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire de ça? Mais moi, j'ai fait un rêve similaire il n'y a pas longtemps. Je t'en Oui, avais parlé moi d'ailleurs. aussi. Oui, Mais moi, je j'en rêve sais. depuis 30 ans. Mais la nuit du 28 au 1er, je n'en ai pas rêvé. J'ai fait un autre rêve hyper surprenant, mais ce n'était pas celui-là. Et donc, visiblement, tous les habitants de la planète n'ont pas rêvé de cette invention extraterrestre. Alors, je ne suis pas revenue voir sur le compte quelle justification il a donnée, mais néanmoins, on a quand même envie. Moi, j'ai quand même envie de savoir pour la suite. Parce que je trouve ça drôle, je trouve ça amusant, en fait, que ce soit vrai ou pas, ça m'amuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ça me dit que le rêve, bah déjà, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui se souviennent de tous leurs rêves. Des gens, ils ne se souviennent même pas qu'ils rêvent. Mais il peut y avoir comme une information. Alors, c'est les mots qui ne sont pas bien choisis. Tout le monde va rêver de la même chose. Ça peut être une information dans un niveau subtil. Qui peut être réceptionné à un moment clé. C'est-à-dire, tout le monde va recevoir dans son inconscient, pendant son sommeil, l'information d'une future invasion extraterrestre, comme pour nous préparer finalement. Ah, ça, c'est pas mal, ça, j'avais pas pensé à ça. C'est ce que tu dis? Oui, c'est ce que je perçois, qu'il peut y avoir des sous forme d'informations, mais qui sont captés ou pas, mais l'information est disponible, comme des vagues d'informations qui sont disponibles sur certains potentiels futurs, mais comme une façon de préparer l'inconscient collectif à autre chose, à quelque chose de nouveau. Mais là, je sens, je vais dire comme un petit signal d'alarme, hein, attention. Parce que les forces de l'ombre peuvent se servir de ce genre d'informations pour les détourner à leur manière, c'est-à-dire d'en tirer profit. Y a quelque chose là, quelque chose de plus malsain là derrière. Tu vois. Tu peux recevoir une information, mais qui est neutre. C'est-à-dire, ben oui, vous pouvez regarder le ciel, il va y avoir des manifestations de plus en plus nombreuses, mais de façon très neutre. Et je sens que le côté sombre peut connaître cette information, la percevoir dans le subtil et en tirer profit pour de nouveau amener des peurs. Pour faire peur, ben oui. Pour Ben faire peur et pour. on le connaît bien. Profiter pour oui, c'est ça. Ben oui. Mais... La peur. Donc toujours méfiance de toute façon, vigilance et Discernement. discernement et même prendre beaucoup de distance par rapport C'est ça. à ce qui est dit.
comme on le dit à chaque fois. De toute Et façon. pour cette exploration en particulier, bah, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux et celles qui verront cette enquête, bah, je vous invite vraiment à le voir comme un jeu. Voilà, moi je trouve ça super fun. Ça m'amuse énormément. Voilà, je trouve ça drôle. Et je trouve ça plutôt malin, que ce soit vrai ou pas, mais celui qui a fait ce compte, je le trouve, bah, je trouve qu'il a tout compris. Je trouve ça plutôt très malin. Et puis, bah, voilà. On verra bien, on verra bien. En tout cas, on est bien placé hein, pour se rendre compte que de toute façon, tout est possible. On le voit tous les jours quand on vous accompagne en séance et puis aussi dans nos enquêtes. Ben, Sonia, je te remercie infiniment pour ce temps que Merci à toi. tu as donné à cette enquête et c'était vraiment un chouette moment. À très vite, merci.